Oh ah <laughs> Tchou Bonjour à tous, c'est GG et je vous ai la bienvenue pour votre JT du Geek du matin alors, bon, moi, bah il est presque midi en Thaïlande, mais pour vous, il est encore un peu le matin. Allez, aujourd'hui, on va parler du, de, la, de la tablette h 9 Pro. Alors, je m'excuse pour y aller, le problème de micro, ça venait bien de la prise USB de mon ordinateur. Après 40 reboots, ça y est, ça marche bien. Donc, ça venait pas du micro, ça venait bien de, de cet ordinateur de merde, là. On en a parlé hier dans le live, si vous voulez aller voir. Voilà, on va parler aujourd'hui de la h 9 Pro. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà testé la, la Shui h 9 qui était une tablette qui était correcte en fait hein, qui n'était pas ouf au niveau de la finition machin mais qu'au niveau hardware était pas mal et là en fait je suis récidive avec la H9 Pro et, euh, je veux dire là euh, le ton est donné gaming Terminator alors du coup bon bah là on s'est dit voilà une tablette gaming et tout c'est de la bombasse qu'est-ce qu'on regarde un écran 8,4 pouces c'est bien. C'est une nouvelle tendance, c'est pas mal. Un écran 2K, oh, c'est bien. Mais alors attention au processeur. Enfin, un processeur qui envoie derrière. Sinon, ça va faire ramer un peu. Android Oreo, c'est pas mal. 3 plus 32, là on se dit déjà. Ouh, c'est pas beaucoup hein, pour une tablette Android Silly Gaming. De la 4G, bon, ça c'est pas mal. Un processeur DK-Core. Bon, bah un X20, forcément. Et un GPU T880. Alors pour avoir déjà un peu testé ce genre d'animal sur des téléphones médiathèques. Bon bah c'est bien mais c'est pas fou hein <laughs> ça fait ça fait tu peux jouer mais on n'attend pas des trucs de dingue double wifi c'est bien donc ultra sim il est bien il est joli il est parfait pour le jeu ça c'est bien pas marqué s'il va être en contour en métal <laughs> ou en plastique bon on verra l'écran 2,5k bon ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, en fait, en même temps. C'est une bonne nouvelle parce qu'un écran 2K, ça pète toujours un peu. Mais c'est une mauvaise nouvelle, c'est qu'au niveau hardware, il faut quand même une machine qui envoie un petit peu du, du poney. Hein, parce que sinon, la carte graphique, elle arrive vite aux limites de ça et on retombe sur du, de la Full HD quand ce n'est pas de la HD. Donc, c'est à double tranchant. Et apparemment, avec la configuration, pour moi, ça me paraît un petit peu moyen. Bon, il elle sera joli, super fin, machin et tout. Dual 4G, ça, c'est pas mal. Mmh, double Wi-Fi normal. Oreo Android 8. Bon normal donc il vous explique que le 8 est mieux que l'ancien, bon, ça quand c'est bien quand la ROM est bien faite, oui. Un processeur, un X20, ça c'est pas mal. Autre préférence du GPU, c'est là où je suis pas super d'accord avec eux, mais on verra qu'à cause du prix, ça tout se tient. Voilà, à cause du closing, euh, T880 avec un écran 2K, bon, on, ça va, on permettra de jouer, on est d'accord, mais ne vous attendez pas, c'est pas une tablette gaming ni Terminator ni Predator, quoi, ni l'un ni l'autre, c'est une tablette qui permettra de jouer, oui, mais ça sera pas dingo, encore une fois à cause de l'écran et c'est pas le CPU qui joue, là ça va être le GPU. Multitask, bon bah forcément c'est du Android, ça on n'apprend rien. Deux caméras à 8 millions de pixels à l'avant et à l'arrière de chez Samsung. Alors je sais pas si c'est que à l'arrière et à l'avant, c'est pas bien spécifié mais 5 millions à l'avant, donc à mon avis ça veut être du OV machin, mais à l'arrière on aura bien du Samsung. Encore une fois voilà, les argumentaires des fabricants sont toujours un peu... Les photos sont bien, les argumentaires sont classe. GPS et GLONASS, donc satellite américain, satellite russe, ça c'est pas mal pour une tablette qui est 4G pour le coup. Une batterie de 5000 mAh, bon... Là, on s'est dit, bon, ça va, c'est bien, mais pas fou, encore une fois. On avait une grande tablette, ils ont pu mettre un peu plus, mais c'est bien. La connectique, c'est de la micro USB. Voilà, on l'aura vu directement sur la fiche de GearBest, qui est un peu plus complète que les pauvres teasers qui veulent bien nous donner. Et ça sera tout. Quand on aura la config, on revient ici. Donc on a bien une Chui, Android 8, MTK, donc un Octa-Core X20. Le Mali TC880, bon voilà. Format, nanana, 3 plus 32, je trouve c'est un peu léger, plus la micro SD, heureusement, mais 3 plus 32, euh, c'est pas... Voilà, on n'est pas dans du gaming là, on est dans de l'entrée de gamme, hein. c'est flagrant et on va voir au niveau du prix. L'écran 8,4 pouces en 2K, ça c'est super classe. Mais bon, bon gré malgré, vaut mieux des fois un bon full HD que de vouloir absolument mettre du 2K et derrière avoir une machine qui va être à la ramasse pour, euh, pour arriver à bah, afficher tous les pixels, puis la batterie et puis tout quoi. On n'est pas sur du OLED, ni du AMOLED, machin comme ça. Bon, il est bien double Wi-Fi: 4G, B1, B2, B3, B4, B7, B8 et B20 pas de B28 pour free, mais bon, ça, c'est un peu normal. Encore une fois, là, on est sur un mode tablette, tablette communicante. Euh, OTG, driver, machin et tout, millions de pixels. Donc, on n'en saura pas bien grand-chose. Là où on en sort un peu plus, c'est chez Gearbest, bien évidemment, qui la vendent, qui l'ont déjà mis en pré... Enfin, ils ont déjà les informations. Bon, le truc pas mal, c'est le prix. En fait, vous ne le voyez pas ici, mais quand on fait une recherche... Hop là, c'était pas ça. Comme ça que... Comment j'avais fait J'avais fait comme ça. Vous cherchez Shui H9 Pro. Je vous mettrai le lien dans la description. Quand tu cherches la Shui H9 Pro, eux, ils annoncent directement déjà hop euros 33. Alors il est clair que si elle a 160 euros, c'est pas cher. Voilà. Tu as 160 €, tu as quand même quasiment un gros téléphone 4G. Alors bon, après c'est de la précommande, notifiez-moi quand elle arrive. Donc peut-être elle sera je pense pas qu'elle soit beaucoup plus chère. Généralement, ces genres de marques, ils ont des bonnes relations avec eux. Donc bon, on reprend la tablette, machin et tout. Le seul truc qu'on apprendra en plus, c'est euh... double caméra. Là, c'est pas marqué. Attendez, double caméra. Je regarde un peu vite fait. Caméra. 8 millions, 5 millions. Donc là, il n'y a pas de spécificité. Machin. Bon, la tablette, vous aurez la taille de la tablette, des choses comme ça. Bon, on reprend tous les arguments forts qu'on a vus tout à l'heure. Donc un écran ici, 2, K, 2K, JDI, Brightness, Bright, bright OGS, euh, gourmand. <laughs> Petit gourmand. Et le seul truc qui nous intéressera, c'est vraiment la partie ici, 5000 mAh, les jeux machin, où eux ils ont les dimensions. Donc ça prouve bien que ils ont un peu plus d'infos que Chewy voudrait bien teaser. Bon, on a la taille de la tablette. Bon bah voilà, elle est assez grande. Elle a, elle a pas l'air vraiment au format 18/9ème. Il faudra voir un petit peu. Euh, je sais pas si c'est spécifié. Le micro USB, le jack j'ai regardé s'il parle de 18 9e mais apparemment non donc ça pourrait être android 8 8,4 pouces 10 points demi non c'est pas spécifié donc du coup ça risque d'être une tablette normale au format 4 tiers un peu épongé et où Allongé. Oui, bon, après, on peut l'éponger aussi, quoi. Donc, du coup, voilà un peu pour les informations de cette tablette. Hop, pas faire mes vidéos, pas faire les commentaires, pas faire mon Tipeee. C'était pas ça, voilà. On remercie les 111 Tipeee qui souviennent l'aventure, qui sont un peu nos dealers d'accro et les instigateurs de l'aventure. Ils reçoivent les vidéos avant tout le monde, ils ont des vidéos exclusives, machin. Enfin bon, le détail, vous trouvez ça sur Tipeee. Dites-moi ce que vous pensez de cette H9 Pro. Moi, personnellement, par rapport à la vignette, je suis un peu déçu. Et je pense que par rapport au titre, vous allez voir, H9 Pro, tablette gaming, Terminator et tout. Je pense que vous allez vite vous exciter. Et puis, quand on regarde la tablette, bah, on se dit que c'est qu'une tablette entrée de gamme. Elle n'a rien de gaming, cette pauvre tablette. À part son écran, même pas, son écran en 2K, au contraire, c'est plutôt un point négatif. Le processeur, bon, c'est un décacore, encore une fois, mais ça ne fait pas aider pour les jeux. Ça sera bien pour les applications, les matchs comme ça. Mais encore, les applications, à la que 3Go de RAM, donc c'est pas beaucoup. Donc, on est vraiment sur une tablette entrée de gamme. Qui est certes un peu jolie parce qu'elle va avoir un bouton rouge sur le bouton power on off et un design qui en vignette est pas mal, mais elle n'a pas grand chose de gaming si ce n'est que euh, ils l'ont noté et qu'ils ont fait des belles photos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette tablette. Est-ce que vous trouvez que cette tablette elle est un peu survendue On sera un petit peu d'accord si elle est vendue comme ça, elle est un peu survendue, mais qu'en fait pour 150 euros ça peut être une bonne petite tablette 4G. Dans l'ensemble, si la finition est pas trop merdique, qu'ils arrivent à mettre un peu, je sais pas, en métal derrière, ce serait classe. Mais à 150 euros, j'ai peur qu'à l'arrière, ce soit du plastique. Même si les photos voudraient nous faire croire qu'on a une finition un peu métal au moins derrière, après si on en bas, le plastique voilà il faudra attendre, dites moi ce que vous pensez un peu de cette tablette avec les 3R, cher en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette tablette H9 Pro c'est le genre de produit qui t'intéresserait, c'est le genre de produit qui t'intéresserait pas du tout en fait pour le prix c'est une bonne tablette, en fait t'es complètement déçu dessus, t'attendais une gaming terminator et que bah, quand on arrive on se rend bien compte que avec 3Go de RAM et un processeur décacore oui, mais avec un Mali T700, T880 euh, bah, ça va tout juste quoi batterie 5000, euh, on aurait peut-être bien Aimé, j'aurais bien aimé moi par exemple de l'USB type C. Ça fait classe ça, c'est euh, le truc du futur, tu vois. Bon bah après dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si tu veux rien louper des news, hop là, il est là le bouton. N'oublie pas de cliquer sur ma gueule ici, de mettre abonné, de cliquer sur la note. Oh, de cliquer sur la. Oh, j'ai toujours du mal, parce que si vous cliquez sur la cloche. <laughs> Cliquez sur la cloche pour bien recevoir des notifications. Moi, je ne sais pas s'il y aura d'autres news aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait du Samsung, des écrans et tout, mais ça n'a carrément aucun intérêt des écrans Samsung incurvés et tout. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse aussi des vidéos là-dessus. Si c'est oui, dans ce cas, j'en ferai peut-être une. Si c'est non, écran incurvé Samsung, il n'a rien d'extraordinaire en plus. Donc, du coup, je ne sais pas s'il faut le faire ou pas. C'est à vous de me dire. Allez, paix, prospérité, bonne journée, à tout à l'heure. Ah bah, à tout à l'heure. Sinon, au pire, à ce soir, bien sûr. Oh